Mais pour ma part, ce que je peux dire, c'est que la religion ne peut pas, comment dirais-je, régir les relations sociales pour trois raisons, je pense. La première, c'est que les lois de la religion ne changent pas facilement ou ne changent pas du tout. Elles sont figées. Or, les sociétés changent, notamment nos sociétés d'aujourd'hui. Donc, on est dans une époque où le changement est très rapide. Tout le monde, d'ailleurs, le constate. Dans ce cas, la religion ne peut pas suivre le dynamisme de la société. Donc, on a besoin d'un droit dynamique qui peut, lui, suivre le dynamisme de la société, notamment la société d'aujourd'hui. La deuxième raison, c'est que il faut savoir que même dans les sociétés qui sont organisées par les lois de la religion, les lois de la religion ne suffisent pas pour organiser toutes les relations sociales et pour administrer toute une société. Je veux dire, même dans les sociétés musulmanes, ils font appel à d'autres lois qui sont, elles, des lois positives. Le troisième point, aujourd'hui, à l'échelle des sociétés humaines d'aujourd'hui, on ne peut pas parler d'une société qui a une religion. Même quand il y a une religion, il y a plusieurs façons de comprendre et de pratiquer cette religion qui, finalement, on peut parler de plusieurs religions, comme c'est le cas de la religion musulmane. Il y a une religion musulmane, il y a pourtant plusieurs islams. Il y a l'islam sunnite, l'islam chiite, l'islam ibadite, l'islam soufi. Donc, parler d'une société où il y a une seule religion, comme je viens de le dire, aujourd'hui, à mon avis, est complètement, pratiquement impossible. D'autant plus qu'on va de plus en plus vers des sociétés multiconfessionnelles. Donc, gérer ou administrer une société par des lois qui sont dictées par la religion, alors que la relation que les croyants ont avec leur religion sont toujours des relations de sentiment, des relations d'amour, des relations d'affect. Donc, chacun pense que c'est lui qui détient la vérité absolue et c'est lui qui détient la meilleure manière de comprendre la religion. Si on essaye d'organiser la société avec des lois issues de la religion, évidemment, cela conduira inévitablement au conflit et au problème. Donc, la seule manière, je pense, pour les sociétés d'aujourd'hui et celles de demain, étant donné qu'on va de plus en plus vers des sociétés multiconfessionnelles, la seule solution est la séparation entre la religion et la politique. Et la séparation entre la religion et la politique, je le considère comme le niveau le plus élevé aujourd'hui de la maturité humaine. Pour les musulmans aujourd'hui, l'islam n'est pas dissociable de sa dimension juridique. Cela, évidemment, est dû à plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est que le Coran évoque un grand nombre de lois qui concernent la société et la morale. Même si les versets qui évoquent ces règles ne sont pas les plus nombreux dans le Coran, mais quand même, ce sont des règles qui sont assez importantes pour que les musulmans aient cette conception de l'islam où la dimension juridique et sociale est indissociable. Le deuxième élément est le fait que le prophète à Médine était un homme d'État et même un chef des armées, en plus d'être prophète. Donc on dit qu'il n'a pas séparé le politique du religieux. Et pour beaucoup de musulmans, je dirais tous les musulmans, la vie du prophète est un exemple pour eux. Et le prophète n'a pas séparé, donc ils n'arrivent pas à imaginer qu'il faut séparer la dimension juridique de la dimension spirituelle en islam. La troisième raison est le fait que les musulmans se sont posé la question de la conception de l'islam
de la définition de l'islam. Il voulait, on est à peine au 8e siècle, il voulait savoir si l'islam était une spiritualité seulement ou une spiritualité et une organisation sociale. Les débats ont été soldés par la victoire de ceux qui pensaient que l'islam ne peut pas être dissocié de sa dimension sociale. Donc c'est une religion où le spirituel et l'organisation sociale sont liés. Donc disons que c'est la conception des juristes qui a fini par s'imposer. Et comme vous le savez, que les soufis qui avaient une autre conception de l'islam. Pour les soufis, notamment les premiers siècles de l'islam, pour eux, l'islam est une spiritualité avant tout et non pas une organisation sociale. C'est une doctrine qui a été fondée justement en réaction aux juristes qui voulaient faire de l'islam une organisation sociale ou un système juridique. À partir du XIIIe siècle environ, avec la victoire de la conception des juristes, disons avec la victoire des juristes, même les soufis ont adopté cette conception de l'islam. Ils ont continué à défendre la dimension spirituelle, mais ils ont commencé à affirmer à chaque fois et à souligner qu'ils ne sont pas contre la dimension juridique et la dimension de l'organisation sociale en islam. Donc les grands soufis aujourd'hui, quand on lit leurs livres, on trouve qu'ils insistent sur l'importance de la dimension sociale et juridique de l'islam. Toute cette histoire de la pensée musulmane, évidemment, a fait que aujourd'hui, pour beaucoup de musulmans, ils n'imaginent pas l'islam sans sa dimension sociale, sans sa dimension juridique. Ce qui crée un problème pour les musulmans qui vivent justement dans les sociétés où la religion est séparée de l'organisation sociale. Je dirais que les laïcs, tout le long du XXe siècle, les laïcs musulmans ont justement essayé de trouver au sein de l'islam une pensée séculière. Et pour eux, c'est une étape ou c'est une manière incontournable pour que les musulmans acceptent ou admettent la laïcité. Comme s'il faut qu'il y ait un feu vert de la part de la religion pour se sentir bien dans la laïcité. En quelque sorte, demander à la religion et aux religieux de nous donner un feu vert pour la laïcité. C'est comme ça que je l'explique. Ils sont rentrés dans un débat interminable avec les conservateurs. Ils n'ont pas pu convaincre parce qu'ils se sont mis sur le terrain des conservateurs, la religion, les premiers musulmans. Ils se sont mis sur leur terrain, ils n'ont pas pu s'imposer face aux conservateurs, ils n'ont pas pu aussi convaincre les musulmans. Ce que je pense, moi, aujourd'hui, c'est que nous allons vers des sociétés de plus en plus multiconfessionnelles. S'attacher aux religions qui administrent la société et les relations sociales finira par nous conduire vers des conflits et des guerres interminables. Donc aujourd'hui, il est temps qu'on arrive à comprendre que pour vivre avec l'autre et vivre bien avec l'autre, il faut séparer la politique de la religion, autrement dit, aller vers des sociétés laïques et chacun vit après sa religion dans sa vie privée comme il l'entend. Mais dans la vie publique, pour organiser l'État et la société, on ne peut plus continuer avec une organisation ou des lois issues de la religion parce que nous allons, comme je viens de le dire, vers des sociétés multiculturelles. Si je prends, et multiconfessionnelles, si je prends juste les sociétés qui ont été jusque-là, on s'est dit que c'était juste des sociétés musulmanes entre musulmans. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Déjà, on a découvert que les musulmans, au sein de l'islam, il y a plusieurs islams. Et puis, au sein des sociétés musulmanes aujourd'hui, les minorités demandent aussi leurs droits.
Ce n'est plus comme avant, d'une part. Et d'autre part, il y a aussi d'autres qui viennent vivre au sein de la société musulmane. Donc, il y a un déplacement massif des populations qui font que pour que l'être humain arrive à vivre en bonne entente avec l'autre, il faut qu'il accepte la laïcité. Je pense que c'est le meilleur moyen qui nous permettra de vivre en paix dans le futur.